Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on m'a demandé. Alors aujourd'hui on est sur ma table à repasser avec un diamond painting. Voilà, donc c'est une vidéo que j'avais déjà faite mais que j'avais intégrée dans la préparation d'un diamond painting. On m'a demandé donc de faire une explication comment on repasse. J'ai une tête. Comment, à la préparation de son diamond painting, comment repasser son diamond painting pour enlever les plis avant de pouvoir le commencer. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Donc, il vous faut une table à repasser ou alors vous mettez une grosse serviette sur votre table. Comme vous avez l'habitude de repasser, hein, voilà. Il vous faut un fer à repasser, c'est logique. Moi, je m'embête pas. Mon fer à repasser est sur coton, voilà. J'ai jamais eu de problème. Donc moi, c'est une centrale. Hein. Je vais vous la montrer. Je vais utiliser quand même un peu de vapeur, si besoin. J'ai jamais eu de problème non plus depuis que je fais, même si je mets de la vapeur. Ce qu'il faut surtout, que j'ai oublié de préparer, je vais la sortir, c'est une serviette éponge. Voilà. Donc une serviette éponge, une serviette de toilette dont vous allez avoir besoin pour repasser. Parce que vous, surtout, surtout, ne jamais repasser votre diamond painting direct. Hein. Bien sûr, vous allez le faire sur l'envers. Mais ne pas repasser direct sur la toile, hein, parce que là, il va y avoir des catastrophes. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, si vous êtes prêts, vous avez votre table à repasser, votre fer à repasser et votre serviette éponge et votre kit. Donc, vous êtes prêts à repasser votre kit. Voilà, allez, je vous fais une vue plongeante et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, bon, première chose, hein, vous mettez votre fer. Alors, je vais vous montrer moi ma centrale si j'arrive. Voilà, vous voyez, moi c'est une Calor. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Hop, 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 reviens par ici, toi. Alors, je vais d'abord déballer mon kit. Hein. C'est quand même plus pratique de le déballer avant. S'il veut bien. Alors celui-ci, c'est un que j'avais eu à E Diamond Painting. Alors, de toute façon, plastique, on s'en fout. Voilà. C'était avec des perles rondes, je vous l'avais déjà présenté. Voilà, vous voyez, c'était celui-ci. Donc c'est un petit, voilà. Que je vais un petit peu attaquer au milieu de mes deux grands là pour me changer un peu. Bon, il n'est pas tellement chiffonné, donc, mais bon, des fois vous pouvez avoir pas mal de plis. Mais là, vous voyez, il est quand même, il a quand même été enroulé, donc il va quand même avoir besoin d'un petit coup de repassage. Alors, est-ce que je suis bien centrée? Non. Alors, je vais essayer de reculer ma caméra un petit peu. Voilà, ouais, je pense que ça ira mieux. Alors, on met hop, sa serviette sur le DP. Donc moi cette serviette me sert que pour ça. Du coup, voyez, j'ai de la vapeur, mais bon, je vais pas m'en servir là, je pense, mais je vais vous montrer quand même. Donc on passe, j'ai d'abord passé à sec. Voilà, passez doucement un peu partout, hein. Voilà, de toute façon, un peu partout, partout sur votre DP. Donc si jamais vous voyez qu'il y a des plis qui restent, vous voyez, bon ça reste encore un peu. Donc on va faire un petit coup de vapeur. Voilà. Ça va l'aplatir un petit peu. Vous
Là, par contre, avec la vapeur, on passe plus vite, hein. On reste pas dessus. Voilà, là, je crois qu'il est bien plat. Je le vois déjà à travers la serviette. Voilà, normalement, c'est bon. Oui, il est plat. Poussière, et voilà mon DP est tout plat. Donc le plastique, ça n'a pas bougé, hein, voyez, ça n'a rien bougé pour le plastique. Je vais bien le remettre. Bon, de toute façon, ça, je m'en fiche, moi. Voilà, et maintenant votre DP est complètement plat et il n'y a plus de chiffon, il n'y a plus les traits qui ont été chiffonnés. Donc des fois, on reçoit nos DP complètement chiffonnés sur les bords, ou alors on croirait qu'ils ont passé à l'essoreuse, hein, mais vous faites ça, un bon coup de fer dessus. Quand vous voyez que ça a du mal à se déplisser, un petit coup de vapeur, mais là, vous passez le fer plus rapidement pour pas rester sur place, hein. Parce que sinon, ça va vous chauffer la colle qui est derrière. Et là, maintenant, voilà, le kit est déjà tout froid et il est plat. Et il n'y a plus de soucis. Alors, on m'avait demandé aussi comment, moi, je rangeais mes kits pendant que je les faisais. Je crois que j'ai déjà répondu à la question, mais bon, je ne me rappelle plus. Moi, je les pends avec des cintres à... Alors, si j'ai plus de cintre à pantalon, vous savez, ceux avec les pinces, je prends un cintre normal. Donc, c'est des cintres qui sont avec une petite barre en dessous. J'installe des pinces dessus et je mets des pinces, voilà. Et je le pends donc droit comme ceci. Attendez, je vais remonter la caméra. Ça ira mieux. Hop, 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 hop. Voilà. Excusez-moi, je resserre. Voilà. Ah, vous voyez pas ma tête. Je prends mon kit comme ça, droit, à une porte ou à un porte-manteau. Et puis, voilà, ça tient tout seul. Alors, je vous voyez pas ma tête. Je vous remonte. Coucou. Et donc, voilà, ils sont comme ça. Et ça fait qu'ils ne se chiffonnent pas, ils ne s'abîment pas, ils ne prennent pas la poussière, ils sont tranquilles. Donc voilà. Donc c'était la petite vidéo astuce du jour que l'on m'avait demandé, donc pour savoir comment repasser son kit. Voilà, donc j'espère que c'est bon pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai comme d'habitude. Et là maintenant, je vais aller me préparer ce kit. Alors là, je ne vais pas le préparer dans des boîtes. Parce que, comme vous voyez ici, comme c'est un petit kit que je vais me faire comme ça entre deux. Là, les perles sont déjà dans des sachets comme ça. Donc, je ne vais pas me préparer les boîtes. Je vais garder dans les sachets. Je ne vais pas m'embêter. C'est pas un grand kit, donc voilà, je vais me laisser dans les sachets et puis je vais le faire comme ça à l'arrache et je vais le faire avec mon petit stylet plumeau que j'avais eu. Vous vous rappelez, j'en avais eu 4 à la boutique L'Éternel, voilà, en cadeau. Donc je vais le faire avec celui-ci, voilà. Donc, je vous laisse donc pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions, en dessous de la vidéo, vous me posez toutes vos questions en commentaire. Au passage, si vous avez envie de me mettre un petit pouce, c'est toujours sympa. Même si vous avez envie de mettre un pouce comme ça, eh ben allez-y, ça me fait des vues. Tant mieux. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse tous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.